désolé pour ça. Je voulais... Attends, c'est moi. T'as failli le tuer, Pete. Qu'est-ce qu'il prend? T'es dans mes pattes, Miles. Toujours dans mes pattes. J'aurais pu tout arranger. Et comment? En l'étranglant. Non, on n'est pas comme ça. Ne joue pas au menteur avec moi. C'est toi qui fuis pour les problèmes ici. C'est toi qui as soif de vengeance. De vengeance? Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille. Et toi aussi. Tu ne vaux pas mieux que moi. Arrête, j'ai jamais dit ça. Tu es plus fort que ce costume, Pete. Arrête de l'écouter. Pourquoi? T'écouter toi? Oui. Faut que tu m'écoutes. Qu'est-ce qui t'effraie autant? J'ai besoin de ce costume. Avec ça, je suis le meilleur Spider-Man. Tu le veux pour toi, c'est tout. Tout ce que je veux, c'est juste me sauver. Je suis un héros. Je n'ai besoin de personne. Pourquoi tu me fais ça? T'es là grâce à moi. Tu me dois tout. Je sais que tu le penses pas. Tout ce que je voulais, c'était sauver tout le monde. MJ. Maintenant, la ville croit que c'est moi le problème. Tu crois que je suis le problème? Mais ça, c'est terminé. Je suis la solution. Ferme-la!
J'ai besoin de la cloche. On doit être plus fort que ça, Peter. Cette fois, c'est toi qui dois sonner. Si tu peux. Je vais pas te perdre, Pete. Dernier jour. Miles, je suis désolé. Je te remercie. Merci pour tout. J'ai fait mon boulot de Spider-Man. Aujourd'hui, c'est pas Spider-Man qui m'a sauvé. C'était Miles. Et maintenant ? Je dois parler au docteur Connors. Il a dit qu'il savait comment le détruire. Attends, et Harry ? Mais il en a besoin, non ? Son père travaille sur un autre remède. Mais un remède sans alien, cette fois. Tu sais que si t'as besoin de moi, je serai là. Enfin, une fois que j'aurai prévenu ma mère qu'elle a toujours un fils. Je sais. Content que tu sois redevenu normal.